n'est pas mort ce qui a jamais d'or, et dans les airs peut mourir même la mort. C'est parti. Tu peux y aller. Pour ce dernier volet du congrès numérique, on a entendu tout un tas de belles choses hier. On a ouvert avec un volet de jazz avec le Manhattan Jazz Band et tout un tas d'invités. Ensuite, on a poursuivi avec Hervé Joulin. On a pu aller un peu à l'Olifant et écouter les stars, Alexandre Collard, Nicolas Ramey, Hervé Joulin, évidemment, voilà. Dernier volet aujourd'hui, en fait, quand on s'est réunis pour parler un petit peu de ce congrès, l'idée, il s'agissait de donner la parole à quelqu'un qui voit le corps d'un œil et d'une oreille extérieure à la nôtre, évidemment. Quoi de mieux, finalement, qu'un compositeur. Et finalement, voilà, il y en a un qui est très actuel, Olivier Calmel, qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, merci Olivier d'avoir accepté cette invitation au congrès numérique pour un peu nous donner ton ressenti par rapport aux créations là, qui se sont faites autour du corps. Avec, on en reparlera tout à l'heure, les pièces 4 corps et orchestre Call of Toulouse et puis la sonate Joy Forever. On accueille Florian Leblay, qui est déjà très connu, qui a créé cette sonate Joy Forever, qu'il a enregistrée, vous la trouverez, on l'entendra tout à l'heure. Et puis Arnaud de l'Épine, qu'on a déjà vu hier avec le Mallette, et puis qui aujourd'hui intervient en tant que fondateur en fait, de l'équipe de profs, dont je faisais partie également. Qui a commandé en fait la pièce Call of Toulouse à Olivier Calmel. Alors pour commencer ce petit entretien, je vais laisser la parole à Olivier qui nous
qui nous expose un petit peu, bah voilà, un compositeur qui va écrire pour le corps, il vient d'où, il fait quoi, voilà, comment on en arrive là, et voilà, c'est quoi l'envie au départ, voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Un compositeur n'est pas au départ un compositeur spécifiquement et qui écrit pour le corps, évidemment. D'abord, on a un désir d'exprimer quelque chose et puis ça se fait souvent avec des rencontres, rencontres qui s'est notamment faite avec Arnaud de Lépine au départ et puis les autres cornistes sur le projet de concerto pour quatuor de corps. Une rencontre au bar de l'Europe, rue de Madrid. Oui. Effectivement, après un concert de l'Harmonie du Centre. Tout à fait. Voilà, et puis évidemment, alors on a coutume d'estimer qu'avant d'avoir écrit un concerto, on ne connaît pas vraiment l'instrument. C'est à la fois vrai, à la fois un peu faux. Mais Stravinsky, avant d'écrire son concerto pour violon, considérait qu'il ne connaissait pas vraiment le violon. Il l'écrit lui-même dans ses mémoires, en Chronique de ma vie. On ne peut pas estimer qu'il ne connaît pas le violon, évidemment, après avoir écrit les chefs-d'œuvre qu'il avait écrits déjà à ce moment-là. Donc tout est très relatif. Maintenant, il faut bien reconnaître que le cor reste un instrument extrêmement mystérieux pour un orchestrateur, un compositeur, et que ça fait partie de ces instruments qui, si vous n'avez pas l'expérience physique de le jouer, ben reste, enfin, garde une partie de mystère, et une partie de mystère dans la projection, une partie de mystère dans ses capacités techniques, notamment en termes de legato et de détaché. Voilà, et même dans la gestion des registres, il y a souvent, il reste des zones d'ombre qu'on ne peut lever qu'au travail avec des solistes. C'est ce qu'on a fait évidemment avec les quatre solistes qui ont créé le concerto pour corps Call of Cthulhu. On n'aurait pas pu écrire quelque chose, je pense, d'aussi intéressant pour le corps et d'aussi abouti pour, de mon point de vue, évidemment sur l'expressivité qui était voulue par rapport au sujet traité, qui était un sujet donc c'était un poème symphonique en fait basé sur une œuvre de Lovecraft. On n'aurait pas pu faire ça s'il n'y avait pas eu un vrai ping-pong, notamment avec Arnaud. Sur les aspects techniques en particulier, évidemment techniques instrumentales, mais pas que. Voilà, ça allait au-delà de ça. Voilà, donc ça reste, c'est très important, ça, j'y tiens beaucoup. Donc on n'est pas, voilà, on n'est pas exempt de devoir évidemment s'adresser aux solistes, et même sur les aspects plus de cordes d'orchestre, eh bien parfois il y a des questions à lever qui doivent se faire avec les instrumentistes. On ne fait jamais sans, en fait, c'est très important. Voilà, alors évidemment l'expérience que j'ai moi du cor est quand même déjà maintenant un peu ancienne, ça fait quand même très longtemps que j'écris notamment pour orchestre harmonie, mais évidemment bien sûr pour orchestre symphonique, c'est surtout sur le symphonique que j'ai appris mon métier. Et aujourd'hui, on en parlera un petit peu tout à l'heure j'imagine, j'attache beaucoup d'importance à la transmission et notamment à mes élèves, parce que je suis professeur d'orchestration à Paris, sur voilà, sur la transmission, une bonne transmission en tout cas de l'histoire du cor, et c'est-à-dire quel était son rôle à l'orchestre il y a maintenant fort longtemps. Et évidemment, il fait partie des familles d'un instrument qui a le plus évolué, qui a énormément évolué dans la technique, dans la facture, dans voilà. Mais il faut savoir d'où il vient. Et ça, c'est très important, parce que ça explique beaucoup de choses quand même dans son rôle à l'orchestre. Peut-être juste préciser, David, les noms des solistes qui ont Ben, participé à la création. le projet, il est parti d'une équipe de profs, bah, donc du centre dont je fais partie. Il y avait également Élodie Georget, qui est prof à Châteauroux, Jean-Luc Dion, prof à Bourges, Arnaud à Tours. On avait Rodolphe Genesta, qui est de Vendôme. Voilà. Et puis, ce projet était super aussi parce que ça permis à Florian, qu'on a bien mis en avant, voilà, de se placer qu'on a mis au premier corps, hein, on s'est pas emmerdé, qui a fait toutes les dates, et c'était un moment super, enfin c'était une super rencontre d'ailleurs, enfin, j'en parlais de Florian tout à l'heure, mais voilà, c'est une équipe de profs qui commande une pièce, et voilà, d'ailleurs j'encourage ceux qui font des projets comme ça là, sur des territoires, à reprendre cette expérience qui était super. On l'a créée à 6, il y a la version à 4, voilà, ça se fait plutôt bien et ouais, ça a très bien marché. Ouais. Peut-être juste, je vais préciser juste comment ça, pourquoi ça s'est créé,
comment on a fonctionné pour créer ça. Ça peut intéresser plusieurs personnes, peut-être. En fait, avec David, on travaille depuis un certain temps, depuis qu'il est revenu dans la région. On fait beaucoup de projets ensemble, on échange même des fois. Là, on est en ce moment en échange pédagogique, c'est-à-dire qu'il donne pendant 15 jours les cours à Tours et moi 15 jours à Orléans. Donc c'est toujours très, très enrichissant. Et on avait fait un projet. Lors de ce projet à Orléans, c'était, je crois, pour l'anniversaire un hommage à Monsieur Proust. Au professeur, ouais, Michel Proust, le père de Pascal. Un hommage, à lui qui avait été prof à Orléans. Et donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un projet de concerto, tout ça. Donc, tout simplement, quand on a l'idée, il faut aller au bout. Et en général, ce qui est très appréciable avec David et ce qu'on travaille nous ici, c'est que quand on fait des projets, on fait le projet parce qu'il nous intéresse, on ne fait pas le projet parce qu'il va nous rapporter de l'argent. C'est un peu notre principe. Alors, c'est peut-être un peu notre défaut parfois pour certains, mais pour nous, c'est une valeur assez importante. C'est-à-dire qu'on s'engage, on le fait à fond et on le fait dans le cadre de notre mission qui est de professeur de conservatoire pour la région et pour promouvoir l'instrument et puis pour essayer de mettre les jeunes toujours en avant. Là, c'était Florian et puis nous, on a joué avec toutes les scènes nationales de la région et ta pièce, Olivier, a été faite 8 fois, je crois, sur l'ensemble de la région, ce qui est un sacré défi. Et en fait, les finances qui étaient demandées aux orchestres d'harmonie permettaient de payer Olivier et la création, voilà, tout simplement. Alors, il faut savoir que des co-commandes comme ça, des commandes, c'est devenu la règle parce que il y a des réalités économiques. Évidemment que ce type de projet peut être mené partout en France. Ça s'est formidablement bien passé avec l'organisation que vous aviez mis en place. C'est vrai que tout musicien amateur comme professionnel, j'imagine, a le désir quelque part et de créer quelque chose de nouveau avec un compositeur ou d'autres façons. Et dans tous les cas, la rencontre avec un auteur ou un compositeur permet de se poser aussi des questions sur son propre instrument et éventuellement d'aller au-delà de ce qu'on pensait possible. Il y a des choses parfois, des pièces qui nous imposent de repenser la technicité de notre instrument et d'aller sur certains aspects plus loin que ce qu'on pensait au départ. Donc c'est intéressant parce que ça, c'est une lecture et un apprentissage mutuel et gagnant-gagnant. Pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, c'est effectivement quand Olivier il compose, il a un fonctionnement qui est peut-être le sien, mais qui surprend, parce que quand on fait une commande, on a tendance à dire on laisse la main libre au compositeur et on verra bien. Et en fait, avec Olivier, pas du tout. Pendant quelques mois, on peut recevoir des petites dizaines de petites SMS avec des petits extraits audio. Et en fait, on a l'impression que quelqu'un écrit et qu'on valide ou on valide pas. Et il dit, si ça ne te plaît pas, on va faire autre chose. Voilà. Et ça, il y a une fusion entre le commanditaire et le compositeur qui est assez, assez surprenante mais assez appréciable parce qu'on a vraiment l'impression d'être au cœur de la création et tous les jours ou toutes les semaines on y est quoi. C'est assez particulier c'est un fonctionnement qu'on a beaucoup apprécié. Ça permet vraiment d'être à fond et merci Olivier parce que ce travail là est très, très appréciable en fait pour les créateurs comme nous qui faisons ça avec le cœur et avec l'investissement personnel. C'était d'autant plus intéressant. Oui, mais comme je le dis souvent, pour moi, j'estime que le travail du compositeur n'est pas sacré, qu'aucune partition n'est sacrée, d'ailleurs, c'est juste l'œuvre d'humain. En fait, même Beethoven était humain, c'était peut-être un demi-dieu, mais il était quand même humain. Et même Wagner, oulala, attention, je vais froisser des gens là. Même Strauss, oups, attention, là je commence à peut-être aller sur les plates-bandes des cornices, mais non, c'était que des humains en fait, et aussi géniaux étaient-ils. Et donc, de fait, on pourrait considérer que tout est perfectible, ou en tout cas tout est discutable. Même chez Ravel, j'aurais tendance à dire que certaines choses peut-être pourraient être discutées, alors que j'ai évidemment un immense amour et respect pour Ravel. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a rien de vraiment sacré et que la possibilité, étant donné que là, il s'agit de discuter avec un compositeur vivant, enfin, on espère,
En tâche, c'est de pouvoir avoir un vrai dialogue avec. Donc, je pense que c'est, je pense qu'il y a un problème sur le flux, en tout cas, non, c'est bon. Donc, le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un de vivant comme ça, pour moi, l'intérêt, c'est effectivement de progresser ensemble. Alors, ça ne veut pas dire, si vous voulez, il faut essayer dans ces cas-là de mettre un peu ses goûts de côté et pas dire oui, alors ça, j'aime pas, voilà, parce que c'est pas vraiment comme ça qu'on avance. Il faut penser au projet et évidemment, penser à la priorité qui est le plaisir que vont en avoir les interprètes à jouer, malgré les difficultés. Et moi, je tiens absolument, et c'est exactement ce que j'apprends également à mes élèves, si difficultés spécifiques il doit y avoir, elles doivent être vraiment justifiées. Et il ne doit pas y avoir de chemin plus facile pour y arriver. S'il y a un chemin difficile, c'est que vraiment, c'est le meilleur pour arriver à l'expressivité qu'on souhaite et à la musique qu'on souhaite exprimer. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est le plaisir des instrumentistes, bien évidemment, des interprètes qui vont passer des semaines et des mois à travailler et puis pour eux rendre plaisir, procurer en tout cas quelque chose auprès d'un public et ça c'est inestimable. Et donc si pour y arriver un des moyens reste le dialogue avec notamment les solistes, moi je n'hésite pas, évidemment c'est bienvenu, c'est plus que bienvenu, quitte à parfois à jeter des choses, à remettre en question des choses, ça nous est arrivé. Voilà. Et parfois à se fâcher là-dessus, enfin à se fâcher, à s'auto-fâcher, quoi. C'est-à-dire à se dire ah oui, non, mais quand même, j'avais quand même imaginé ça comme ça, et pourquoi ça ne peut pas marcher? Et puis voilà, avec le dialogue avec le soliste, bah, parfois on se rend compte qu'on s'est trompé sur certains aspects. Il vaut mieux se tromper avant que se tromper après. Olivier, pour prendre un peu de recul sur par rapport au corps et l'image que le compositeur s'en fait. Finalement, sans parler d'en faire un instrument soliste, même tu composes, tu es là. Mais, à quel moment, en fait, il te vient à quel moment on se dit, tiens, ça, c'est pour les corps, cette phrase-là, cette ambiance-là, je ne sais pas. On pense à l'instrument à quel moment enfin, Alors, je comprends. S'il s'agit d'une pièce, par exemple, d'une pièce d'orchestre, dans laquelle le corps a un rôle de corps d'orchestre. Quand on écrit pour orchestre, alors bon, on est tous un peu différents, mais en tout cas, moi j'entends vraiment les timbres de l'orchestre et j'écris en oreille interne ce qu'on appelle des monstres, c'est-à-dire des réductions d'orchestre sur 4, 5, 6 portées, ça dépend des moments. Et sur ces monstres, on indique que ça a été entendu sur telle partie, a été entendu avec tel timbre, a été entendu à tel registre, et véritablement, on le note tout de suite, en fait. Voilà, donc il va de soi que le rôle du corps en 2021 n'est pas le rôle du corps à l'époque de Mozart, et qu'il a considérablement été étendu de tout point de vue. Autant on peut considérer quand même que dans son rôle classique, de répertoire classique, il faisait les fonds, il faisait les notes pédales, il complétait l'harmonie en général, il complétait les cadences, il avait rarement un rôle mélodique, il avait rarement un rôle véritablement en dehors, c'est à l'époque du début du romantisme qu'il a commencé véritablement, la fin du classicisme, début du romantisme, qu'il a commencé à avoir un rôle mélodique véritablement indépendant, avec l'extension au niveau de la série harmonique des notes qui n'étaient pas jouées jusqu'à présent. Et c'est donc à la fois, mais comme toujours pour tous les instruments, à la fois sa technicité, sa facture, qui ont amené des possibilités supplémentaires, qui étaient demandées par les compositeurs, mais qui ont dû attendre un petit peu quelques années, et dans certains cas pas mal d'années, pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est finalement un rôle totalement étendu, c'est-à-dire que même un corps d'orchestre en 2021 peut bien évidemment avoir à peu près tous les rôles à l'orchestre. Donc quand on entend, si vous voulez, un chant majestueux en dehors et qu'on entend vraiment le timbre du corps, on aura tendance à l'écrire évidemment à tous les corps d'orchestre, souvent en octave d'ailleurs, pour que ça sonne plus. Et puis voilà, donc on entend vraiment en oreille interne, si vous voulez, le timbre. C'est immédiatement perceptible. Voilà. Et puis après, il y a tous les rôles classiques de l'orchestre qui, de toute façon, restent présents, et notamment pour tout ce qui est complétion harmonique, tout ce qui est fond, tout ce qui est résonance, gestion de la résonance, bien évidemment, tout ce qui est note pédale, voilà, il y a note d'horizon, enfin, il y a tous les rôles habituels également du corps. Et il y a des... C'est un petit peu compliqué, des fois, à expliquer à tes élèves pour l'orchestration Je sais pas, a priori, dans nos conservatoires, souvent de fois, les profs d'écriture viennent nous voir, un peu tous. Donc, de ton côté, comment ça se passe?
Oui. Alors, quelle que soit la technicité de l'orchestrateur, on ne peut pas tout savoir. Ça, c'est une vérité. Comme je le disais tout à l'heure, si on n'a pas l'expérience de jouer véritablement de l'instrument considéré, il y a forcément un tas de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne ressent pas. Moi, je suis oboïste de formation, donc j'ai l'expérience de ce que c'est que souffler. Voilà. Mais souffler dans un hautbois et dans un cor, évidemment, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir. Peut-être le seul point commun, s'il y en avait un, ça serait la ce sont les deux instruments qui ont la meilleure disposition pour des tenues à l'orchestre, c'est-à-dire que c'est des instruments qui tiennent le plus longtemps, en fait. Alors, pour le cor, ça dépend vraiment du registre. Pour le hautbois, c'est presque, on va dire, indépendant du registre, mais enfin, c'est quand même un instrument qui tient très, 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 très longtemps. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, les orchestrateurs en herbe ont beaucoup de mal. Olivier, quand tu dis très longtemps, c'est-à-dire qu'on peut jouer longtemps sans une tenue, penser... oui. D'accord, oui. Ok. Ouais. Tu ne prends pas de risque non plus, tu sais très bien qu'il ne faut pas jouer non plus trop longtemps, sinon tu t'entres très vite dans la zone rouge. Non, bien sûr, mais par exemple, non, mais peut-être s'il y a trop de notes, il y a trop de pêche, mais je sais pas. Non, je rigole. Non, je parlais de notre tenue. Je parlais bien de notre tenue. Non, mais par exemple, dans les instruments qui nécessitent énormément de souffle, la flûte nécessite beaucoup plus de souffle. Vous voyez, si on prend les pour ce qui concerne les bois. Pour en revenir au cor, donc effectivement, c'est un instrument qui est un peu difficile à appréhender pour les orchestrateurs en herbe. Ils ont la plupart du temps, ils n'en jouent pas. C'est même d'ailleurs assez rare que j'ai des élèves qui jouent des cuivres. J'ai quelques tubistes parfois, mais c'est phonium ou tuba. Mais rarement cors, c'est peut-être trompette une fois ou deux. La plupart du temps, ce sont des gens qui jouent du piano ou qui jouent des cordes. De fait, l'expérience, ils n'ont pas l'expérience de souper dans un cor. Et puis, ça apporte d'autres questions. C'est que quand on joue sur des instruments modernes et des instruments modernes polyphoniques de type piano, eh bien, on n'a a priori aucune véritable expérience de la connaissance de la série harmonique, de l'histoire des instruments qui en ont été, comment dire, directement dépendants pendant très longtemps. Alors, vous allez me dire, tous les instruments sont dépendants de la série harmonique. D'accord, mais je veux dire, les pistons sont arrivés quand même tardivement. Et donc, du coup, ça fait qu'en première année, également en bonne moitié de la deuxième année, je leur impose de travailler sur les instruments naturels. Et on étudie évidemment le répertoire qui est entièrement en instrument naturel. Et donc voilà, donc ça les oblige à une gymnastique mentale aussi par rapport aux transpositions, par rapport à la possibilité de tous les, alors on en discutait tout à l'heure, de toutes les tonalités de corps. Également, vous voyez, là je suis en train de corriger mes épreuves là, de mise en loge de la semaine dernière. Il y en a encore qui, pourtant je ne l'ai pas dit qu'une fois, qui ont laissé sur quatre corps d'orchestre, ils m'ont laissé quatre corps en tonalités différentes. Bon, voilà, je leur ai dit que ça fonctionnait par deux, je leur ai dit pas mal de fois, mais apparemment, certains ont encore un petit peu zappé cet aspect des choses. Voilà, mais c'est un apprentissage qui est assez long, et rien qu'à la série harmonique, c'est pas quelque chose qui est si naturel que ça. Et quand je leur explique, puisque la plupart des orchestrateurs et compositeurs aujourd'hui écrivent en ut, ça, il faut bien avoir conscience que la plupart du temps, alors même sur des nomenclatures assez simples, parce que finalement la nomenclature d'orchestre symphonique c'est assez simple par rapport à l'harmonie ou au brass band, il y a beaucoup moins d'instruments transpositeurs, mais pour autant, ils ont tendance quand même à écrire en ut. Ce qui fait que souvent, je leur explique qu'ils ne peuvent pas se rendre compte des registres pour lesquels ils écrivent quand ils écrivent en ut, pas plus que s'ils écrivent pour un instrument naturel, ils ne pourront se rendre compte véritablement des notes. Dont ils sont, enfin, qui sont autorisés, enfin, qui sont possibles. Donc, c'est pas si évident que ça. Ça leur prend pas mal de gymnastique mentale. Parfois, il faut pas loin d'une année pour arriver à vraiment à ce que ça soit fluide, cette compréhension du fonctionnement basique, en fait, je dirais, du corps, au-delà des capacités de détacher, vraiment la longueur de tenue. Parfois, j'ai des questions. Voilà, des questions très très larges aussi. Est-ce qu'un corniste peut tenir 30 secondes sur un do médium? Bon, voilà, c'est vraiment des questions qui n'ont pas vraiment de réponse, en fait, en véritable. Mais il y en a beaucoup d'autres, par contre, qui sont assez claires, et pour autant, ça leur prend un certain temps. Ça reste un instrument complexe à appréhender pour un orchestrateur et un compositeur. Louis, t'as des questions là qui nous arrivent sur ce qu'on Alors, est en train pas de de dire. Questions, hein. Mais moi-même, j'aimerais bien savoir, Olivier, si tu nous permets d'écouter un peu un extrait de ces maîtres sorciers, d'accord, de ce Call of Cthulhu, histoire de voir comment tu orchestres en direct. Alors, je vais passer la partie 3, la rédemption. Histoire de voir comment tu orchestres. Et c'est parti.
C'était un extrait de Call of Cthulhu, la partie 3 Redemption. Ça renvoie quand même. Eh bien, si ça envoie, on pourrait peut-être juste demander d'ailleurs à Florian, parce que tout à l'heure, on parlait d'écriture, de la difficulté, des choses comme ça. Florian, qui a fait le premier corps dedans. Ouais, qu'est-ce que tu en as pensé, voilà. Parce que pas bien. Le compositeur dit toujours que c'est... Bah, si, c'est jouable, ça n'a pas l'air compliqué. Oui, non, bon, c'est quand même assez dur, mais c'est un peu fatigant parce qu'il y a beaucoup d'aigus, mais ça va, il est bien amené, c'est très rythmique, donc on peut jouer l'aigu sur l'énergie. Après, Olivier, il a toujours été très cool là-dessus, c'est qu'il y a toujours eu beaucoup de dialogues, il nous demandait si c'est faisable physiquement, si c'était pas trop compliqué pour l'aigu, mais non, c'est fatigant quand même à la fin, au bout des, je sais plus combien il fait le morceau, 16 minutes, un truc comme ça. À la fin, c'est fatigant, mais on s'en va. En fait, c'était là, c'est pour compléter ce que dit Florian, c'était vraiment une préoccupation que j'avais tout le temps, moi, avec Olivier. Peut-être un peu trop fatigant, d'ailleurs, par rapport à ce que je lui disais, mais je lui disais toujours, attention, là, ça me semble un peu compliqué, il faut l'enchaîner, ça peut être long. Donc, c'était tout. Pour un compositeur, je pense, je ne sais pas, Olivier, tu vas me dire, mais je pense que le fait de demander souvent qu'il y ait des petites pauses ou des choses comme ça, ça peut peut-être être compliqué pour se dire, quand j'ai un truc à développer, il veut quand même des pauses pour se reposer. Est-ce que ça ne te contraint pas trop dans l'écriture? Et deuxième partie de question, est-ce que ce n'est pas pour ça que tu as écrit plus tôt ce concerto avec un pupitre de corps? C'est comme si c'était un pupitre de corps principal de l'orchestre et pas forcément un quatuor de corps qui était vraiment devant. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais... Ok, alors je vais répondre à la deuxième question d'abord, parce qu'elle est plus marrante. Mes concertos, c'est la quasi-totalité de mes concertos, sont pensés comme des concertos, comme des symphonies concertantes. C'est comme si c'était un pupitre de corps principal de l'orchestre. C'est-à-dire que je n'aime pas l'idée d'un soliste devant qui est accompagné par 70 bonhommes derrière qui plante les clous. En fait, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ça circule, l'information circule. Donc évidemment que le concertiste est mis à contribution de manière extrêmement forte sur sa technicité et que bah il est devant, c'est normal. Mais vous voyez, j'ai enregistré il n'y a pas très longtemps le concerto pour violoncelle et orchestre que j'ai écrit pour Xavier Philips. On l'a enregistré avec l'Orchestre des Siècles. Et Xavier est sorti de là exténué en me disant « Mais en fait, c'est un concerto pour trombone que tu as écrit. » Parce que l'orchestre derrière est assez fourni et qu'il y a des moments où ça circule, où c'est même violoncelle qui accompagne les instruments. Et en fait, j'aime bien cette idée-là. Il faut que ça circule. Alors, il y a évidemment quand même des moments cadentiels, il y a des moments vraiment solo, c'est important. Mais tu as raison, Arnaud, je le pense comme un prolongement et plus comme un prolongement qu'un duel, en réalité. Parce que dans l'histoire du concerto, c'est un combat entre un concertino et un repiano. Moi, je le conçois pas comme ça. Pour moi, c'est une complémentarité. Et encore une fois, il faut que ça circule beaucoup. Il y a pas mal de thèmes dans Call of Cthulhu qui se trouvent à l'orchestre. Et c'est important pour moi. Ça, c'est pour la première partie de la question. Et enfin, la deuxième question. Et la première,
Alors, bien sûr que c'est contraignant, mais en fait, alors je ne sais plus qui disait ça, non, si ce n'est pas Michel Legrand, qui disait « sans contrainte, on fait des paix ». Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que de la contrainte naît aussi la création, de la contrainte naît le désir de se dépasser, et de la contrainte naît finalement presque l'intérêt. Si il n'y avait plus de filet et que c'était vraiment open bar, on faisait ce qu'on voulait, bah finalement, ça ne serait pas si intéressant que ça. Ce qui est intéressant, c'est de faire avec les gens avec qui on travaille, de les respecter, de les écouter et d'arriver à faire au mieux avec le contexte. Voilà. Et donc, moi, que ça soit j'ai eu des commandes de Radio France avec la maîtrise, avec le Filard, ou que ça soit avec toutes sortes de projets, à chaque fois, j'essaye de m'adapter au mieux et d'écouter ce qu'on me dit. Évidemment, parfois, on n'a rien à vous dire. Hein. Parfois, on vous dit, écoutez, ça sera très bien comme vous le proposez, et puis on vous fait confiance, tout va bien. Voilà, donc dans ces cas-là, moi, évidemment, je n'insiste pas. Mais par exemple, quand il s'agit de musique vocale, c'est très important que les solistes, comme les chefs de chœur, aient un droit de regard, entre guillemets, en tout cas un droit d'attention sur la question de la prosodie, des registres, c'est important. Et finalement, s'il y a bien un instrument, je trouve, qui est pas si loin que ça du corps, ça serait bien la voix, peut-être, de ce point de vue-là. Voilà. Donc, je pense que oui, c'est important, et oui, c'est contraignant pour le compositeur, mais c'est aussi source quand on trouve la solution ensemble, c'est une source de vrai bonheur, en fait. Et puis, en plus, en général, ça se passe mieux. Hier, Franck Tortillier, hier matin, disait qu'on lui demandait qu'est-ce que le corps dans le jazz. En fait, il disait que le corps, c'est un truc à part. Au niveau de l'émission, le corps, forcément, c'est émotionnel parce que l'émission n'est pas comme une trompette, on fait tout direct. Et il dit forcément, ça amène quelque chose de forcément plus suave ou plus doux. Et ça amène à le penser différemment. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis d'accord avec ce grand monsieur du jazz. C'est un instrument qui est beaucoup moins usité dans le jazz, et comme tous les instruments moins usités, comme le hautbois, par exemple, qui existe, mais il n'y a pas beaucoup de représentants du hautbois en France jazz. Il y a Monsieur Fillon, bien sûr, Jean-Luc, avec qui j'ai joué, mais finalement, c'est très, très particulier. Évidemment que l'émission est pas la même. Par contre, ce qui est intéressant, alors moi j'ai travaillé avec un corniste en particulier qui joue très très bien, qui improvise formidablement, Baptiste Jamzer, que tu connais, je crois, Arnaud. Et Baptiste, je sais qu'à chaque fois je le fais écouter à des copains qui sont, ce qu'on avait fait ensemble, à des copains qui sont notamment cuivrés. Ils ont toujours un doute en fait. Ils ont toujours un doute, et le chorus se finit, ils me regardent, ils font « mais dis donc, il envoie quand même le tromboniste là ». Non, non, t'as mal écouté. Réécoute. C'est assez étonnant, en fait. C'est assez étonnant. Donc, ça dépend aussi de la connaissance, je dirais, du phrasé, parce que la technicité et l'instrumentation conditionnent le phrasé. Mmh. C'est comme, si vous voulez, un violoniste qui passerait son temps à travailler spécifiquement, qui ferait tous les relevés de Charlie Parker, il jouerait vachement mieux en si bémol. qu'en sol majeur, mais en plus il prendrait, si vous voulez, des habitudes qui sont liées au phrasé de ce type de répertoire. Voilà. Et je pense que Baptiste a beaucoup travaillé le répertoire, notamment bop, et du coup il a un type de phrasé qu'habituellement on ne retrouve que chez les instruments qui connaissent bien ce répertoire. Après il est par rapport au son, il a aussi un matériel il joue plutôt un matériel américain qui fait que le son effectivement peut faire penser chez les écoles françaises de cuivre à un son de trombone. Je dis pas que les corps américains ont un son de trombone, ouais. Attention, hein. Mais bon, voilà. David, je te laisse la suite. On va appeler John Julius. Olivier, j'en reviens sur tout à l'heure la façon d'écrire, là, finalement. On t'a plutôt freiné pour le 4 corps et orchestre à écrire pas de phrases trop longues, mais par contre, pour la sonate, t'as pu te régaler parce que t'avais le droit. T'avais vraiment le droit de faire plus long. Voilà, c'était open bar. Alors, il me semble que c'est un peu crevant, mais. Alors, ça, c'est Florent qui va nous le dire. Ça passe, non? Ou elle est jouable, cette sonate? Oui, elle n'est pas tant que ça crevante. Enfin, il y a quand même beaucoup de passages dans les loups ou quoi, mais
C'est un peu comme Call of Duty, c'est quand même très rythmique, c'est quand même bien amené. Bon, il y a des passages, bah, le tout début par exemple, c'est très lent, avec plein de notes longues, des grosses tenues et tout, mais c'est pas si aigu. Après, la plupart de l'aigu, il est bien amené, c'est très rythmique, et puis on est toujours placé dans cette zone médium aigu-aigu. Donc, une fois qu'on est placé, après, on joue sur l'énergie, sur l'air, et c'est pas si fatigant que ça au final. Une fois qu'on est placé, c'est facile. Oui, voilà. C'est ça, en fait. Allez, c'est une thèse pour les gens placés, exactement. Mais ouais, je pensais, enfin, à vue de nez comme ça, elle est accessible, à mon avis. Enfin, on la retrouvera, à mon avis, dans les programmes de concours assez rapidement, parce que. Elle est. Tiens, d'ailleurs, je voulais. Il y a quelques pots de banane quand même. Je tiens quand même à préciser. Oui. Il y a quelques pots de banane. Effectivement, ça commence par un choral qui est assez long. Donc, je sais que c'est fatigant, mais c'est quand même pour l'énergie, c'est mieux quand même. Et puis, il y a quelques pots de banane, puisque tu as oublié de le rappeler, mais tu l'avais déjà dit, Florian. C'est une pièce où il y a aussi du grave. Et en fait, tous les registres sont bien, bien représentés. Il y a beaucoup d'aigus, mais il y a aussi du vrai grave. Du très grave même. Et donc voilà, c'est une pièce qui est très difficile. Je pense que 8 minutes, c'était le bon poids. Je pense que Florian, tu l'as sublimé. Bon, on m'a dit, de toute façon, c'est open bar, c'est Florian, donc tu peux y aller. Moi, ok, très bien, allons-y. Et le résultat est absolument formidable. Je tiens à préciser qu'il en existe une version un peu allégée pour la partie de corps, en tout cas. Trio avec une anecdote, avec clarinette. Olivier raconte l'anecdote, c'est marrant, c'est sympa. Voilà. Ah bah oui, non, mais on m'a demandé, en fait, il y a des... Voilà, Pierre aime dire. Oui, tout à fait, Pierre notamment, ouais. Qui voulait le jouer, et Julien Chabot qui voulait l'enregistrer, et ils m'ont demandé d'en faire une version trio, et si possible, dans cette version trio, si c'était possible, d'éventuellement alléger un petit peu le suraigu du corps, ils en seraient fort aise. Voilà, donc je me suis, à la fois j'ai enrichi la pièce, puisqu'il y a une vraie partie supplémentaire, qui est vraiment intéressante, qui a son indépendance, et à la fois je me suis arrangé pour que cette partie de corps soit un petit peu plus acceptable, un peu plus facile quand même. Comme on disait, David... On va dire moins difficile. Comme on disait ce matin, David, faut pas que vous, enfin, faut pas que tous les auditeurs ils aient peur de cette pièce non plus. On a une pièce du répertoire qui est maintenant au répertoire, comme tu disais ce matin, David, c'est Valet de Claude Lefebvre, qui est extrêmement difficile. Et voilà, et maintenant elle est jouée au répertoire. Donc, faut évoluer avec son temps. N'empêche que cette pièce Joy Forever est quand même une pièce assez novatrice sur les couleurs et sur l'écriture. Et on vous invite tous à l'écouter. D'ailleurs, peut-être que Louis, tu pourrais nous balancer un petit peu de son. Oui, tout à fait. Juste pour rebondir, attends une seconde sur ce que tu disais, Arnaud. Je ne vais pas comparer ce qui n'est pas comparable, attention, mais il y a beaucoup, beaucoup de pièces du répertoire où, à un moment donné, on dit « Ah ouais, mais ça, en fait, c'est hors tessiture, ou ça, on ne va pas y arriver, ou ça, c'est trop fatigant. » Et puis, on en reparle quelques années après, et puis, en fait, les choses évoluent. Et il y a même des... Je vais te conforter. Dans l'histoire, il y a par exemple, il y en a des kilos comme ça, on peut en raconter plein, mais vous connaissez sans doute tous l'histoire du basson du contrut du sacre, où le soliste ne voulait pas le jouer. En fait, il a dit, c'est maître, c'est hors tessiture. Et le co-soliste a dit, écoutez, moi, je veux bien essayer. Et puis, il l'a sorti. Et puis, voilà, ils ont changé de rôle, en fait. Mais donc, il y a plein d'exemples comme ça. Je vais te conforter dans ce que tu dis. En fait, à l'écoute de la pièce, on a l'impression que ça peut être, enfin, que c'est tendu, mais vraiment qu'on la travaille un peu plus, pas les premières fois, mais au bout d'un moment, oui. On arrive force. Mais comme tous les concertos, on joue le concerto de Tomasi, on joue Weber, mais c'est bien plus dur que la sonate de Ludovic. Voilà, faut quand même relativiser. Après, à l'écoute, on a l'impression que c'est tendu. Moi, voilà. Après, c'est tellement bien amené, certains vont peut-être plus que certains concertos. Voilà. Alors j'ai une petite question, pas du chat mais de moi-même, parce que j'ai affiché une photographie à l'écran. Est-ce que tu, je sais pas si tu la vois, mais c'est une photo de toi, Olivier Calmen, avec Florian Leblé, et je pense que c'est le pianiste, je crois. Laurent Durupt. D'accord. Tout à fait. Et cette photo, elle a été prise quand et où? Elle a été prise à l'enregistrement de Joy Forever au studio Sequenza à Montreuil, et le pianiste donc qui se trouve à gauche sur la photo est Laurent Durupt,
qui est par ailleurs un formidable pianiste déjà, et puis également un compositeur émérite. D'accord. Alors, je te propose d'écouter un petit extrait oui. de ta pièce. Et j'ai mis un... Alors, pour tous les internautes qui nous écoutent à l'heure actuelle, je place de temps en temps des liens directement vers les sites pour pouvoir sortir la carte bleue et acheter le matériel. Donc, vous pouvez y aller en cliquant, c'est simple. Et maintenant, on écoute un extrait de Joy Forever. Ça, c'était des extraits en fin de compte. Hein. Et donc, je vous laisse reprendre la main sur ces deux mouvements, en fait. On voit bien que c'est quand même très virtuose. C'est agréable à entendre. On a à la fois. Je te disais. Ouais, vas-y, vas-y, David. Olivier, je trouve. Alors, il y a déjà une évolution au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que le colloque Toulouse, on est plus. On est plus sur le corps de la corps d'orchestre, musique un peu hollywoodienne, un peu cinéma, etc. Il y a déjà des couleurs à toi, mais sur Joy, déjà, on passe sur il y a un côté vraiment proche du jazz. Enfin, comme je te disais, j'entends un peu du Chick Corea, j'entends un peu du genre Hiromi, ces pianistes jazz là qui jouent très coloré comme ça. Est-ce que en fait, il y a déjà une évolution pour toi, dans ta façon de traiter la couleur de l'instrument, puis de traiter le rôle que tu veux lui donner, la personnalité que tu veux donner au corps, ou bientôt tu nous écriras un truc qui n'a absolument rien à voir et on va partir sur autre chose. Voilà. En aparté, je lui ai déjà lancé des petites pistes qui pouvaient écrire un peu plus pour nous, mais bon, on ne sait jamais. Oui, oui, tout à fait. On a même évoqué une pièce solo, mais on y reviendra. Alors, en fait, ce qui évolue, bah, évidemment, heureusement, même les compositeurs évoluent, hein, c'est-à-dire que nous aussi, on travaille. Hein. Donc, on évolue. Mais en plus, ce qui nous fait beaucoup évoluer, en fait, c'est encore l'expressivité, c'est-à-dire le sujet qui est traité. Call of Cthulhu, c'est une œuvre, je le rappelle quand même, qui est assez noire, voilà, qui est assez dense, qui est assez dramatique, et qui trouve une résolution que j'ai créée en pirouette sur ce final qui est un peu décalé, comme vous le savez, les trois solistes par rapport au reste de l'œuvre, pour finir quand même sur une note un peu plus légère, un peu plus acceptable. Mais il est certain que Joy Forever, c'est avant tout l'œuvre elle-même de John Keats qui m'a poussé à aller vers quelque chose de lumineux. Et donc, d'abord, il y a ce décalage, enfin ce déplacement de registre tout au long de la pièce, très important, auquel je tenais, alors évidemment avec quelques boucles, parce que je ne pouvais pas, sur 8 minutes, voilà, continuer à monter dans les registres, mais il y a vraiment il y a trois paliers, en fait. Donc, c'est une élévation, pour moi, c'est une élévation du bonheur de vivre, en fait. Donc, c'est une ode à la vie, en fait, cette pièce. Et
Et donc de ça est venu déjà le thème, donc cette couleur de thème avec, en général, moi, quand j'ai un motif, c'est parfois des motifs très courts, j'ai l'harmonie qui va avec et parfois ça tient un accord ou deux accords, vous voyez, et puis on traite ça de manière, enfin en tout cas moi je le traite de manière très très minimaliste en fait, et très, quand je dis minimaliste, c'est volontaire, hein, c'est-à-dire très proche de certaines esthétiques minimalistes américaines et en particulier du compositeur que j'affectionne particulièrement qui est Adams, John Adams. Voilà, et donc c'est vrai que ce choral de début est presque, c'est même dans l'histoire, si vous voulez, ce choral fait référence à la musique française, en particulier à Poulenc, et l'amène vers quelque chose qui est profondément pour moi contemporain, effectivement très rythmé et d'inspiration voilà, minimaliste américaine, avec mes couleurs à moi. C'est sûr que sur l'aspect jazz, puisque tu en parles, moi ça fait partie de mon ADN depuis toujours, puisque je suis pianiste de jazz, et donc il y a des couleurs, alors tu me parles de Chick Corea, évidemment, paix à son âme, fait partie des compositeurs que je joue le plus d'abord, et que j'aime le plus aussi, et qui est d'ailleurs un des compositeurs de jazz qui est le plus joué par d'autres musiciens que uniquement, entre guillemets, les musiciens de jazz. C'est notamment ces children's songs sont joués sous plein de formats différents, des formats par exemple marimba, vibraphone, magnifique, enfin il y a plein de choses. Donc c'est clair que ce sont des harmonies et des couleurs qui me parlent et que j'ai intégré depuis très longtemps, puisque je jouais ce répertoire quand j'avais 18-19 ans. Donc inévitablement, les couleurs, alors pas trop hispanisantes pour le coup, il n'y a pas trop de phrygien, mais plutôt liées à certains degrés, à certaines couleurs, par exemple la tierce et la quarte en même temps, la tierce majeure et la quarte en même temps, ce genre de choses qui sont très très, à la fois très jazz, très américaine, très folk aussi, on en trouve beaucoup dans la folk, et pour le coup qui n'héritent pas directement la musique française. Voilà. Mais j'essaye d'allier les deux, en réalité. Et c'est ce que je fais aussi dans mon travail d'orchestre, puisque j'ai beaucoup de plaisir à essayer de concilier à la fois l'écriture qui pourrait être vraiment émanante d'improvisation et parfois même à intégrer de l'improvisation dans mes concertos, ça arrive, je dirais pas où, mais dans le disque dont on va peut-être parler tout à l'heure, eh bien, il y a des petites parties où il y a ça. Et puis en même temps, ce qui émane du geste même de l'improvisation, de l'improvisateur que je suis, et en même temps qui réconcilie, enfin qui essaie de réconcilier ça avec l'exigence de l'artisanat de l'orchestre, l'exigence de l'artisanat de l'orchestration en particulier, et de l'héritage de nos aînés, quoi. Voilà, tout simplement. Donc j'essaie vraiment de mélanger les deux et d'essayer de les réconcilier, parce qu'on a tendance à imaginer que c'est différent, alors que non, on est la même personne, qu'on écrive pour un corps solo, qu'on écrive pour un orchestre de 75 musiciens, on est le même musicien. Ce qui diffère, c'est l'artisanat. Ce qui diffère entre l'improvisation et la composition, c'est finalement la temporalité. Ça n'est pas la capacité musicale, ça n'est pas la pensée musicale, c'est la temporalité. La composition, on décide de repasser encore et encore et encore, après discussion éventuellement avec les solistes, sur quelque chose qui est perfectible et qui le sera toujours d'ailleurs, et c'est bien la beauté de la chose. L'improvisation, c'est qu'une fois que le temps est passé, il est passé et on passe à autre chose. Voilà, j'ai répondu un peu plus largement. Ouais. Louis, t'avais une intervention à nous faire part, non? Non, pas du tout. Pas encore. T'avais pas. T'avais bien levé la main. Écoute, moi j'avais une question éventuellement, Olivier, avant de passer peut-être à Florian, un petit peu plus. Est-ce que pour toi, les compositeurs qui ont le plus marqué l'évolution de l'écriture sur le corps? Alors, si je devais en choisir un, je pense que ça serait peut-être Strauss. Je suis toujours, en particulier sur les grandes œuvres, les grandes symphonies, comme l'Alpen, pas sur les concertos, enfin si, sur les concertos aussi bien sûr, mais même dans les corps d'orchestre, en fait, je suis même fasciné que les artistes, enfin que les interprètes arrivent au bout. Voilà, donc je pense que c'est toujours, enfin vous ne me contredirez pas, j'imagine, ça reste toujours, dans la plupart des cas, un challenge, et ce n'est pas tout à fait un hasard d'ailleurs s'il y avait dans ces répertoires-là, et à cette époque-là, le renfort de l'orgue, qui est là pour faire la résonance des cuivres, parce qu'à un moment donné,
il fallait garantir la résonance, et sur la façon dont vous êtes tellement, tellement sollicité, en particulier, mais pas que les corps, mais en particulier les corps, il y a quand même une prouesse physique pour arriver au bout, quoi. Voilà, donc je dirais Strauss. Si. On a un peu fait le tour de ce qu'on pouvait annoncer, en tout cas autour du corps avec toi. Je ne sais pas si lui, tu as relevé des questions qui pourraient nous relancer. On va donner la parole à Florian quand même, peut-être sur Joy Forever. Puis après, moi, j'aurais des choses à annoncer, mais peut-être Florian voulait nous dire un mot. Non, bah, moi, c'était vraiment mal placé, mais Florian qui est rentré au Conservatoire de Paris. Ah oui. C'est déjà peut-être une belle. En fait, c'était la question que j'allais lui poser. Je crois que ça a coupé. Ça coupe. Vous m'entendez ? On t'entend. C'est bon ? Vous m'entendez mieux ? Ouais, vas-y. Ouais, en fait, moi j'avais cette question-là, Florian. Est-ce que tu es content d'être rentré à Paris ? Oui, bah oui, je suis assez content d'être rentré, ça va. Qu'est-ce que tu as joué au premier tour déjà ? Au premier tour ? Ouais. Alors, au premier tour, j'avais joué la sonate de Claude Pascal. D'accord. Et c'était une étude de Pascal Proust, la quatrième de je ne sais plus quel livre d'études. Et au deuxième tour ? Et au deuxième tour, c'était le quintet de Mozart avec réduction avec piano. Et on en parlait tout à l'heure, Valet de Claude Lefebvre. Ah oui, d'accord. Tu avais la résistance acquise au cours de l'enregistrement de Joy Forever, parce qu'il paraît que Olivier t'a fait reprendre 50 fois et t'a pris pour un saxophoniste, non ? Pas vrai, c'est pas vrai. Ah, c'est ce qu'on m'avait dit, mais moi. Non, qui a dit ça ? Même pas. Vous avez enregistré pendant combien de temps ? 4 jours. 4 jours. Pour 8 minutes, 4 jours. Non, c'était une matinée, il me semble, un truc comme ça. Oui, on a fait 3 heures. Ouais, voilà. Ouais, c'est propre quand même. Bravo. Sans pause. 3 heures sans pause, par contre. Et même pas un petit thé, un petit coca. Non, même pas. Une vraie machine, quoi, Florian. Une vraie machine. D'accord. Non, on n'avait pas fait de plan. On n'avait pas fait de plan d'enregistrement sur Joy Forever parce que la pièce fait 8 minutes. C'est vrai que, par contre, pour le concerto, on s'était concerté avec Arnaud sur l'ordre, évidemment, dans lequel faire les choses correctement, puisque on avait une journée pour mettre un concerto de 22 minutes de mémoire, 23 minutes en boîte, et où personne ne pouvait se planter. Donc, on avait bien réfléchi à l'ordre d'enregistrement sur le concerto, c'est sûr. Sur Joy Forever, on avait une journée, on s'est dit, bon, on va le faire un peu en fonction de Florian, de sa fatigue, de son désir. Bon, alors, ouais. Bientôt, peut-être à venir une pièce solo de Calmel, et puis tu regarderas bien le cahier des charges pour être sûr de rentrer dans les clous et pouvoir imposer en permanence. Donc, mais c'est bien, il y avait déjà du grave, il y a du legato, il y a un peu de rythme dans le Joy, donc a priori, tu as de grandes chances d'être repris moult fois. Voilà. Alors, l'idée de cette pièce-là, c'est. Voilà, je pense qu'Olivier, il a laissé déjà une belle trace avec le quatuor de corps Call of Toulouse et Joy Forever. Et c'est vrai que peut-être je trouve qu'il y a un petit peu moins de compositeurs actuels qui écrivent des pièces pour corps seul, des pièces de concours. Alors, c'est des pièces de concours, entre guillemets. J'aime pas ce terme-là, mais c'était historiquement grâce au CNSM, au conservatoire, qui faisait des commandes aux compositeurs. C'est comme ça qu'on a développé le répertoire des pièces de corps seul. Et donc l'idée, ça serait de. Voilà, j'avais dit à Olivier, écoute, si un jour ça peut t'intéresser. Il faut recommencer. Oui. On y pensera. Dans mes pièces pour corps, il y a effectivement ces deux-là, et puis il y a également le quintet concerto pour quintet avant. Voilà, qui avait été créé par Cyril Normand. Voilà, c'est vraiment les trois pièces, je dirais, majeures dans mon répertoire pour corps. Et le concerto pour quatuor de corps et orchestre que vous avez enregistré sera inclus de nouveau, donc réédité. Il a déjà été édité, il va être réédité dans un nouveau disque, apparaître dans quelques mois, de monographie d'orchestre me concernant, où il y aura 4 concertos. Donc c'est un très, très très gros disque avec 4 orchestres différents et 4 nomenclatures différentes. Donc il y a violoncelle et
orchestre symphonique voix par trois, il y a donc quatuor de corps et orchestre d'harmonie, il y a saxophone, piano et orchestre à cordes, et il y a quintette avant et orchestre symphonique voix par deux. Donc des choses très très diverses, et sur les deux pièces où il y a du corps, un traitement radicalement différent du corps d'ailleurs. Alors ça c'est un scoop, bon, ouais. Et on le trouvera dans toutes les bonnes boutiques. Oui, ça, il sort chez Clart, il sera distribué correctement. On peut noter quand même que Olivier a été très, très, enfin pour nous, pour le corps, et c'est quand même très sympa parce que dans sa sélection suite à son prix SACEM de compositeur, on avait un extrait du Cthulhu qui était dans sa sélection, donc ça, merci beaucoup. Et puis donc ça c'est important. Vas-y. Je crois que tu auras ton article dans la revue. En fait, je tiens beaucoup, je vais vous dire, à une chose, c'est à défendre corps et becs et ongles et corps et âme. Je ne sais pas si je suis toujours là. Je t'entends. Je te vois bien. Vous m'entendez? Ah oui, d'accord, ok, pardon. Non, mais c'est que moi je vous entends plus. Et donc, à défendre d'abord, d'une part, les vents concertants, les vents solistes et l'orchestre d'harmonie aussi. Voilà, c'est vraiment deux aspects auxquels je tiens beaucoup, parce que c'est vrai que l'orchestre d'harmonie a malheureusement insuffisamment bonne presse en France, et ça me désole. Je ne suis pas le seul. Les grands maîtres de l'orchestre d'harmonie, que sont Philippe Ferraud et d'autres, font le même constat. C'est un orchestre qui n'est pas suffisamment considéré, déjà, en France, par rapport au symphonique. Et puis, d'autre part... Eh bien, quand on vous dit oui, il faut écrire des concertos, mais attention, écrivez des concertos pour violon, violoncelle ou piano, le reste, en fait, en gros, on s'en fiche un peu. Eh bien, non, on s'en fiche pas, et j'ai écrit un concerto pour euphonium, et j'ai écrit un concerto pour saxophone, enfin même deux, pour cor, voilà, et j'y tiens beaucoup, et j'ai pas honte de ça, mais en plus, c'est voilà, ça fait partie des choses dont je suis très fier. C'est vraiment voilà, tant mieux, parce que c'est ce que disait Hervé Joulin hier, quand il disait que sur son album, les maisons de disques, elles sont là, ouais, attention, parce qu'on vous classe tout de suite dans les interprètes, et il faut vraiment continuer à œuvrer, parce que l'euphonium, le tuba, le cor, c'est des instruments qui sont merveilleux. Je me permettrais juste peut-être de revenir... Attends, excuse-moi Arnaud de te couper, mais en plus, on a des tels interprètes en France. Je veux dire, vous avez cité François... c'était une autre union. François, Bastien, enfin, il y en a tellement, je veux dire, le niveau technique est tel, l'investissement de ces musiciens est tel que ça serait... scandaleux de pas écrire pour eux, quoi. Voilà. C'est vrai qu'en ce moment, faut le dire quand même, on est une réussite dans les concours internationaux. On a des professeurs, un enseignement et des classes de corps qui sont quand même très reconnues. On est dans une période avec le concert d'hier soir a été une belle preuve avec Nicolas Ramez, Hervé Joulin et puis Alex Collard, mais il y en a bien d'autres. Félix Dervaux, enfin voilà, j'en oublie. Avec ces personnes, et c'est vrai que les classes de corps avec André Cazalet en tête de file, David Guerrier et Jacques Deleplanque sont, on a quand même une chance assez incroyable d'avoir ces enseignants. Et je voudrais revenir sur Florian, si je peux me permettre. Florian, on a souvent alors je te connais par cœur, mais on a souvent des questions et des gens s'interrogent. En fait, est-ce que tu pourrais simplement nous dire éventuellement une journée de travail type pour toi au quotidien? Alors après, je ne suis pas persuadé que pour l'entrée à Paris tu aies changé quelque chose, mais une journée de travail type pour les cornistes qui nous écoutent, parce qu'on a toujours l'impression que tout le monde dit ah, il est surdoué, c'est facile pour lui, tout est dit tout facile. Voilà, est-ce que tu peux juste nous en parler, parce que des fois, entre ce qu'on entend et le travail qui était fourni derrière, on ne se rend pas compte, mais à la fois, on travaille pour justement qu'on ne se rende pas compte. Voilà. Ouais, non, mais bah, évidemment, faut travailler, quoi, c'est normal. Mais ouais, avec le concours du CNSM, ça a forcément un peu changé. J'ai un peu changé le temps que je travaillais, parce qu'il ne fallait pas trop se fatiguer. Mais en temps normal, ouais... En temps normal, ouais, je bosse à peu près le corps
6 heures par jour, entre la technique, toute la technique, travailler les morceaux. 6 heures à peu près. Et ça fait déjà un moment. Quand tu dis 6 heures. Ça fait déjà un moment. 6 heures de jeu, il travaille sur table. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus? Quand c'est 6 heures, c'est vraiment quasiment 6 heures de jeu. Après, c'est pas du travail. Ça sert à rien de travailler bêtement et de juste jouer et de répéter les choses, de rejouer. Il y a beaucoup de réflexion. Des fois, on travaille sans jouer. On réfléchit à ce qu'on va faire musicalement. C'est 6 heures, c'est pas. Enfin, quand je dis travailler le corps, c'est pas juste jouer. C'est faire du travail intelligent, réfléchir, faire du travail sur table, chanter avec sa voix. Voilà. Bon, déjà tout petit, enfin, on va dire, parce que le colloque Toulouse, c'était il y a déjà 3 ans. Je connaissais pas Florian, mais fallait l'arrêter pour pas qu'il soit ruiné pour les concerts. Parce qu'en fait, il travaillait tout le temps, même le jour du concert. Bon, après, il a peut-être appris à faire attention, à s'organiser, à gérer. Mais pour rebondir sur ce qu'Arnaud veut dire, là, c'est quelqu'un de doué et surtout un gros bosseur. Voilà. Enfin, pour l'avoir côtoyé de cette manière-là. Voilà. Et une petite question, s'il vous plaît, pour Florian. Qu'est-ce que tu travailles maintenant? C'est quoi ton prochain projet? Du coup, je vais rentrer au CNSM en septembre là. Et maintenant, ce que je veux vraiment travailler avec Vladimir Dubois, qui est mon professeur, on essaye de travailler maintenant depuis que je suis avec lui depuis 2 ans maintenant. C'est vraiment travailler le jeu en groupe, la musique de chambre, le travail d'orchestre. De vraiment être rigoureux, que ce soit rythmiquement, de jouer le plus simplement possible. Parce qu'en vrai, il y a vraiment quand même une très grande différence quand on va jouer en soliste, par exemple, quand on a fait le Call of Cthulhu, alors la sonate, et quand on va être dans un pupitre d'orchestre ou quand on va jouer avec d'autres gens, musique de chambre, quelle que soit la formation. Et donc, vraiment, ce qu'on essaye de travailler depuis 2 ans avec Vladimir Dubois, est-ce que je vais essayer de continuer à travailler en faisant encore plus d'orchestre et tout. C'est vraiment être vraiment savoir jouer avec les autres, être rigoureux rythmiquement, jouer le plus simplement possible. Et tu suis des cours de trait d'orchestre avec Vladimir, ou c'est vraiment un cours spécial trait d'orchestre où tu apprends la technique de l'orchestre? Il n'y a pas de cours spécial, mais oui. Je joue des fois des traits d'orchestre. On a travaillé des traits d'orchestre. Il n'y a pas de cours spéciaux pour ça. Mais oui, j'ai envie de te demander, Florian, est-ce que c'est vrai que ce thème du mouvement lent de la troisième de Brahms, est-ce que vous préférez les cornistes? Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai que c'est sympa à jouer quand même. Mais... c'est ce qu'on fait. Il y en a plein d'autres en plus. Oui. François Campagna me demande combien de temps tu travaillais quand tu étais encore au lycée. Quand tu étais au lycée, c'est-à-dire avant que maintenant tu fasses que ça. Non, maintenant je suis d'ailleurs encore au lycée, là je suis en terminale. Peut-être qu'au lycée, faisait déjà que ça, mais il ne faut pas le dire. Dans la tête. Non, forcément, je travaille moins le lycée pour faire plus de corps, mais. Mais oui, même au lycée, je suis encore au lycée, de toute façon, je travaillais déjà comme ça. D'accord, donc tu faisais déjà 6 heures de corps par jour. Oui. D'accord, ça laissait pas beaucoup de place Florian, il arrivait à l'ouverture du conservatoire. Voilà. Hein, c'est ça, tu arrivais à 7h15, 7h30 pour en faire un petit peu avant d'aller au lycée, en fait. Oui, c'est ça que je faisais avant, quand j'étais à Tours. Tous les élèves devraient faire comme ça. C'est un peu excessif, mais bon. Après, c'est ça. Il y a un moment, j'ai été vraiment excessif. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre quand même entre le travail, se reposer, aussi s'aérer la tête, faire d'autres choses. C'est un équilibre à trouver. C'est comme ce que disait David tout à l'heure. Travailler le jour d'un concert, c'est pas forcément intelligent, mais c'est comme ça que. Qu'on apprend, et on apprend à se gérer aussi. Ouais, je comprends. Et tu as d'autres passions que le corps
Je fais énormément de sport, beaucoup de tennis, de la course. D'accord. Est-ce que tu fais de la Ça, prépa? je Pardon, confirme que quand ils sont venus enregistrer, Florian dormait chez moi et il se levait très très tôt pour les courir quand même. Hein. Ça, j'ai un bon souvenir de ça aussi. Hein. Là, je vais vous Donc, dire une anecdote. il est sportif aussi, quoi. Et D'accord. effectivement, peut-être d'ailleurs que c'est pas que les deux sont peut-être un peu liés, hein, parce que Florian, ça reste physique. on va Et dire une même là, on anecdote l'arrête quand pas. même. Une anecdote, parce que c'est la même quand il est parti courir. En fait, qu'on a fait des prodiges. Quand Florian a fait des prodiges. En fait, la production était un peu surprise du rythme de Florian. Florian, ce n'est pas un enfant qui se couchait à 9h et qui se levait à 8h. Et en fait, à 10h30, un soir, il me dit, putain, j'en peux plus, il faut que j'aille courir. Donc, il allait courir autour de l'eau. Ils sont entrés. Ils ont fait des yeux comme ça. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Eh oui. Voilà. Ça a coupé. Ouais, ça a un petit Ils peu ont, les coupé, mais gens de la on se rend production. bien compte que Florian est un homme, enfin un jeune homme très dynamique. Et on te retrouve où cet été, puisque moi j'aime bien courir aussi, mais alors je fais pas 25 bornes. Mais si j'ai envie de courir un jour avec toi, où est-ce que je te retrouve cet été? Alors qu'est-ce Me que tu suivras fais? pas. Hein? Tu me suivras pas. Je le suivrai pas, Non, mais. Peut-être que je pourrais arriver à l'arrivée comme ça et mais... me mettre. Où est-ce que Non, tu fais mais des tu peux stages, monter. tu fais des festivals? Alors cet été, non, je crois pas, je fais, non, je fais pas de festival trop. Et un C'est stage? un... Cet Cet été, non, je fais pas grand chose de particulier. Enfin, pas de concert, pas de stage. Du sport. Du sport et de la musique. Je voudrais juste rebondir sur ce que Florian il a dit et sur ses expériences. En fait, je pense qu'on peut le, on peut le, on peut le, on peut, comment dire, le généraliser à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a chacun nos expériences, on a chacun nos excès, on a chacun, on va vivre des expériences, des difficultés, des bonheurs. Et en fait, c'est ce qui nous construit chacun. Et c'est pour ça qu'aussi, on a chacun des expériences et des constructions différentes. Et c'est plutôt, je trouve que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou négative, il faut essayer d'en tirer le positif. Et c'est ce qui nous construit. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la même vision. Et c'est pour ça qu'on va voir quelqu'un, il va avoir une autre approche aussi, des fois sur la préparation, qui va nous intéresser. Et Et ça c'est un m'intéresse enrichissement justement, personnel qui Arnaud. est... Voilà. C'était une question aussi que je voulais poser à Florian. Alors, excusez-moi, j'ai 10 000 questions parce que je suis votre meilleur auditeur, quoi. Florian, est-ce que tu fais de la préparation mentale comme ça? On parlait de ça hier avec Alexandre Collard, Nicolas Rames, qui faisait beaucoup de pré. Alors Alexandre, lui, c'est plutôt Feldenkrais, tu vois. Et puis Nicolas Rames, c'est aussi de la préparation mentale. Il vit, il mange avec ses partitions. Florian, il court. C'est ça. Non, bah si, enfin, préparation mentale, je sais pas, mais ouais, j'essaie forcément de travailler sur moi-même, de gérer le stress, aussi des fois la pression. Je sais que ce que je fais, je médite, ça m'aide aussi à gérer le stress, La à gérer. méditation te t'aide. Ça, c'est important de le dire parce que nos jeunes élèves aussi ont besoin de ça de temps en temps avant un examen. Ouais. D'accord. D'accord, Florian. Ok, merci pour ta réponse. David? Louis, si tu as encore, si, Louis, si tu as encore quelques questions, sinon je vais clôturer cet entretien et remercier Olivier, Florian, Arnaud voilà, d'avoir contribué à ce dernier volet là du congrès numérique. J'imagine, voilà, au nom de l'AFC, on va remercier énormément Louis qui a exposé les compteurs au niveau de l'investissement. Pour que ce premier petit congrès numérique, à mon avis, qui aura de la suite, pour que ce premier congrès ait lieu. Voilà. Si Louis, tu veux rajouter quelque chose On va passer avant de un nous dernier quitter en son musique, voilà. du Call of Cthulhu en suivant et Et j'ai plusieurs ensuite, je publicités pense à faire. qu'on Donc juste préciser que les gens qui... Juste préciser peut-être que les gens qui veulent enchaîner sur du corps, il y a le contrôle PAF qui sont en direct dans pas longtemps, donc vous pouvez tout continuer. à fait Arnaud. Voilà. Après le colloque Toulouse, bien sûr. Voilà. Exactement. Alors vous pouvez faire du multi-stream ou du multi-écran.
N'hésitez pas. Bon, maintenant, avec téléphone, vous écoutez toutes les émissions. Voilà. Donc je... En tout cas, un grand merci à toi, Louis. Aussi. Eh bien, merci à tout le monde. Merci. Cette émission était vraiment très intéressante. Merci, Olivier. Au revoir, Olivier. Au revoir, merci. Florent. À très bientôt. Pour de nouvelles aventures. Voilà. Et de corps solo, peut-être. Au revoir à tous. Merci d'avoir. Sans transition, on y va. Au revoir. Salut. Au revoir. On peut parler?